En fait, on gère, t'inquiète. Je vais taffer jusqu'à ce qu'ils disent. Hey yo tout le monde, c'est Maestro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Career Manager avec Chelsea, les gars. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, nouvel épisode et dernière saison avec Chelsea, les gars. Je pense que ouais, ça va être la dernière saison. Donc là, il nous reste encore 33 matchs de championnat, la Coupe anglaise, la FA Cup, la Carabao Cup. Et bien évidemment, la Ligue des Champions, qu'on a démarré dans le dernier épisode avec une victoire face à Leipzig 3-1. C'est magnifique, donc voilà, faut se qualifier, faut essayer de gagner toutes les compétitions, ça serait magnifique avec cette équipe de Chelsea qu'on a bâtie. Et puis, depuis le début de saison, les gars, on est invaincus. Donc, on espère que ça va continuer. Match face à West Ham, face à Luton, face à Aston Villa, Trabzonspor, il y aura peut-être Manchester City. À voir. On m'a dit dans les commentaires de changer le numéro de Rafinha, lui mettre le numéro 11. Alors, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tac. Madouike, ouais, non, il va pas prendre le 3 quand même. Hein. Non. On va lui mettre un bon petit numéro. Ben, on va lui mettre le 15, celui de Rafinha. Palmer, faudrait que je le fasse jouer un peu plus. Nkunku, le 18 aussi. C'est qui a le numéro 10? Ah oui, c'est Kvaratskhelia. Ouais, c'est plutôt pas mal. Kasaido. Et Kamavinga, à la rigueur, ils peuvent changer de numéro. Même Malogusto. Là, c'est vrai qu'on a plusieurs joueurs qui peuvent changer de numéro. Hein. Bon. Pour le moment, on va pas changer. C'est parti, on a juste changé Rafinha, celui que vous avez demandé. N'hésitez pas à demander. Et un autre si vous voulez qu'on change. Henry, Chalaba, Kerrer, Luke Shaw, Sanchez, Alvarez, Downs, Politano, Paqueta, Cowell. Et Alvarez, quelle équipe de West Ham, les gars. On va jouer face à eux, grosse équipe. Mais vu la forme dans laquelle on est, la grosse équipe, c'est nous. Donc voilà, Malogusto, on va le faire jouer. On va faire jouer Badiachile. On va faire jouer... J'ai bien envie de faire jouer Gauchoku, mais Doucouré, les gars, il m'impressionne à chaque fois que je le fais jouer. Donc, on va le faire jouer. Let's go face à West Ham United à domicile. Les gars, on espère bien évidemment la victoire. Ok, Rafinha. Premier ballon offensif et ça passe pour Rafinha, mais il est repris par Luke Shaw. Mais on arrive à reprendre la balle, ça passe. Let's go! J'ai cru que ça allait faire poteau, les gars, mais non. Poteau rentrant, but de Christopher Nkunku qui continue son magnifique début de saison, les gars. Il est vraiment trop fort, Christopher Nkunku. Donc, c'est parfait. 1-0 à domicile face à West Ham. Osimhen, là, il a bien décalé le contrôle d'Nkunku. Il est parfait. La finition, elle est magnifique aussi. 1-0 à la 9e minute de jeu. Et il n'y a pas marqué, c'est le combien but de Christopher. Bon. Dommage, on va rester ensemble un peu pour voir s'il y a marqué. Mais bon, on sait qu'il est sur un très gros début de saison. Il a beaucoup de passes dé, il a beaucoup de buts. C'est tout simplement incroyable. Bien joué Doucouré quand je vous dis qu'il est trop fort. Incroyable. Oh non, Osimhen, il n'a pas le droit de perdre la balle comme ça. C'est dommage. Wesh. Oh les gars, j'y crois, il était dedans. Alvarez, le contrôle incroyable. Derrière, il arrive à frapper en plus. Bien joué à lui. Voilà, Kvaratskhelia. À côté, dommage. Voilà, bien joué, Wes James. Belle récupération. Ouais, non, c'est mal joué. S'il l'aurait mise la tête, pourquoi pas, mais... Très compliqué, Kasaido. Oh là là, voilà, les queues en l'air là. Ok, Paqueta qui met ça au sol. On va faire les 15 dernières minutes ensemble. Bien joué, Doucouré. Qu'est-ce qu'il est fort, les gars. C'est abusé. Et Kvaratskhelia, les gars. Dans la vraie vie, avec la Georgie là. Bon, j'ai pas regardé les matchs. Et Mikotadze, déjà, il est on fire. Et la Georgie qui peut passer. Meilleur troisième. Ils peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale, c'est pas mal pour un petit pays comme ça. Ça serait incroyable. Et attention par contre, nous, bien joué Kobel, nouveau gardien dans cette carrière incroyable hein, pour le moment. Son début de saison est monstrueux. Et là, il l'a parfaitement. Il est vraiment fort. Le sosie de Joyka. Bien joué. Non, Badiachile, ouais.
Ouais, ok. Allez, Kvaratskhelia. Voilà, il élimine. Attention, il y a là-bas. Mais ça change rien pour lui. Oh, comment ça rentre pas, dommage. Allez, Kvaratskhelia justement. Le corner. Kaseido. 3 points en rugby, ça, mais bon. On n'est pas au rugby, malheureusement. Mi-temps, on mène 1-0. L'équipe est pas trop fatiguée. On continue, les gars. C'est quand même restable en face. Faut rester concentré. Bien joué. Oh là là. Oh, dommage. C'était une belle action. Ouais. J'avais vu carton jaune, ça va, merci monsieur l'arbitre. Penalty, Paqueta face à Kobel. Purée. Il le tire trop bien, les gars. Un partout, malheureusement, dans cette rencontre. 68e minute de jeu. Après une faute un peu bête de Badiachile, c'est un peu sûr qu'il allait être en retard. Hein. Une fois que j'ai taclé, en fait, je me suis rendu compte que j'étais largement en retard. Et donc, bien évidemment, penalty, hein, faute. Mais bon, allez. Il reste à peu près 20 minutes, un peu moins, mais on peut le faire. On peut largement aller marquer un petit but. Le principal, c'est de ne pas s'en prendre un deuxième, quoi. Bien joué. Rafinha. Bien joué. Gusto. Gusto pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui va passer devant David Alaba. Kvaratskhelia, la frappe croisée. Kvaratskhelia, le but. Let's go! 78e minute de jeu. Boum! Le chaos! Ici à Stamford Bridge, but de Kvaratskhelia. Magnifique. Franchement, les gars, niveau percé, il est trop fort. Il y va tout seul, il fait l'action. C'est parfait. Parfait, parfait. La frappe après, elle est croisée. Magnifique, y a rien à dire. Allez, on va faire des changements. Kvaratskhelia, bah non, il va pas sortir du coup. Manu Koné, il va rentrer. Lavia, il va rentrer. Badiachili, il va sortir. On va mettre Chaloba. Et puis voilà. Let's go. Pour cette fin de match face à West Ham, il reste 10 minutes. On va les faire ensemble, les gars. Bien évidemment, objectif, rester solide. Donc c'est parti. Allez. Ok. Enrich. Alvarez, tant que ça reste là, les gars, c'est pas dangereux pour nous. Et en plus de ça, attention, ils peuvent se mettre sous pression, perdre des balles. Rafinha. Rafinha pour Osimhen, Osimhen. Oh là là, c'est un monstre. Oh là là. Boum! La frappe sèche de Victor Osimhen. Let's go! 3 les gars! Mais oui, on est invaincu! On est invaincu! On est invincible! Qui va nous faire tomber cette saison, les gars? Vraiment, c'est la question que je me pose. On est trop trop fort. On peut vraiment aller chercher tous les trophées. Remplaçant, titulaire, toute mon équipe, elle est forte. Après, bon, bien évidemment, on peut se prendre des buts. Mais on restera invincible. Et Kobel, il est vraiment trop fort. En plus, on s'est vraiment renforcé dans ce domaine-là. La saison dernière, c'était Brice Samba, qui a un bon gardien. Mais bon, Kobel, il est au-dessus. Hein. Il est au-dessus, il l'a montré. Leicester-Manchester, ça a fait 3-2 quand même. Ça avait l'air d'être un beau match. Mais bon, nous, on reste invaincu cette saison. C'est parfait. Match face à Luton, attention. C'est ce genre de match-là qui brise une série de ouf. Donc, faut rester sérieux. On est au-dessus. Après, il n'y aura pas tous les meilleurs joueurs qui vont jouer. Mais on est au-dessus. Moreira, je vais le tester sur ce match-là. Madouke, il va jouer. Le milieu de terrain, il est en pleine forme. Mais bon, on va faire tourner quand même. J'ai bien envie de mettre Santos, le petit du Brésil, 21 ans, 1m76. Il a des bonnes stats. Allez, on va le faire jouer. Wesley, qui est un peu fatigué. Enfin, on va faire jouer Chaloba. Et puis après, c'est bon, les gars. Let's go pour ce match à domicile, encore une fois. On espère la victoire. Bien joué Santos. Bien joué Madouké. Bien joué pour Victor Osimhen. Pourquoi pas la tenter, les gars? C'est cool. Je sais pas ses stats sur FIFA. Donc pourquoi pas tenter des longs shots un peu.
Qui est Grimaldo. On va essayer de retrouver Kamavinga. On le retrouve. On trouve Moreira. La frappe avec le petit rebond. Ça a un peu inquiété le gardien, mais pas trop, trop, trop. Voilà, la récup. Ok, on gagne le corner, bien joué Madouké. Il s'était un peu enfermé, mais au final, il gagne bien le corner. Il n'y a personne. Kamavinga, on contrôle, on enroule. Waouh. Oh là là, Antonio Rudiger, les gars. Trop costaud. Adebayo qui marque. 1-0 but de Luton, je vous ai dit. Ce genre de match-là, ils peuvent briser une série de ouf. Hein. Surtout dans FIFA. T'es là, t'es trop fort. Et un match de merde un peu comme ça peut tuer la série. On va faire les 10 dernières minutes ensemble de cette première mi-temps. Et on espère bien évidemment égaliser dans cette première mi-temps. Le sombrero qu'on se prend. Oh là là. Adebayo, on tacle n'importe comment. Luton qui se rapproche. Luis James. Oh là 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 là. Adebayo, le doublé. 2-0 pour Luton. C'est quoi ça, les gars? Bien joué. Osimhen. Comment il arrête ça? Purée. Tim Krul, ben oui, c'est l'ancien gardien de Liverpool, c'est bien ce que je me disais. Enfin, il me semble. Liverpool. Wesh. Trois têtes, les trois réussies comme ça, parfaites. Les gars, on est mené 2-0 à la mi-temps. On vise le quadruplé. Hein. On vise le quadruplé. On n'a toujours pas perdu cette saison. Il va falloir une très 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 grosse deuxième mi-temps. Déjà, Moreira il va sortir, Madouké il va passer à gauche, Rafinha il va rentrer, Moïse Kean pour le moment il va pas encore rentrer. On attend encore un peu, c'est parti les gars, deuxième mi-temps. Voilà l'intervention de Rudiger. Elle est magique et elle est super importante. Derrière Kamavinga c'est parfait ce qu'il fait. Mais non, Osimhen, c'est moins bien, beaucoup moins bien. Bien joué, Nkunku. C'est quoi ça? C'est Tim Krul ou Manuel Neuer là? Premier poteau, il n'y a personne derrière. Oh là là. Allez, Rafinha, bien joué. Bien joué. Le deuxième aussi, il est éliminé. Rafinha. Rafinha, petit filet, let's go. 2 buts à 1, 68e minute de jeu. On n'a pas le temps de célébrer, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez, on enchaîne. Bah oui, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. En plus, Kobel, je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Allez, on fait les 15 dernières minutes ensemble. C'est parti. Bien joué, Rafinha. Bien joué, Bruce James. Bien joué, Victor Osimhen. Boum! Oui! Ça passe! Avant que ce soit contré par un défenseur. Let's go! De partout, but de Victor Osimhen. Ok, Victor Osimhen, par contre, tu vas venir souffler, mon gars. Nkunku aussi. Et Kamavinga aussi, désolé, mon vieux. Et voilà, on fait un peu tourner quand même, histoire d'avoir du 109 et de pas trop mettre KO les 4, parce que prochain match, c'est la première ligue. Je sais même plus c'est contre qui. Mais bon, faut les garder en forme. Allez, 10 minutes pour marquer un but. Comme ça, les gars, on est qualifiés. Directement 90 minutes et on n'en parle plus. Allez, allez, allez. Allez, les Blues. Les Blues de Chelsea. Gros match de Santos, les gars, hein, d'ailleurs. Moreira, beaucoup moins qu'on a sorti à la mi-temps. Mais Santos, par contre, incroyable. Et Rafinha. La passe, elle est parfaite pour Musquin. Je suis dégoûté. Dégoûté. Allez. Allez. Allez, purée. Campbell qui passe. Campbell qui accélère. Aïe, aïe, aïe.
Wesh, Campbell. Dernière minute, faut pas qu'on se prenne le but, hein. Ok, c'est à côté. Je sais pas si c'est penalty ou prolongation. Waouh, c'est penalty. C'est penalty, les gars, ça va être chaud. Mais on y croit. Ça va être chaud, mais on y croit. Team Krul, ok, bien. Il l'a pas, il l'a pas, il l'a pas. Brown, il tire à gauche. Ouais, raté. Moiskin, gros pétard, on s'en fout dans la lucarne là-bas là. Ça, c'est bien tiré, ça. Allez. Campbell, il rate. Campbell, il rate, on sait. Mais il tire pareil. Et moi, je plonge pareil. Wes James. Oh, les. Mais il tire tout le temps là-bas! Aïe, 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 Madouiké! Allez, mon grand! Bah oui! Attendez, mais là, s'il marque. Non, c'est pas maintenant. Mais non! J'ai plongé! FIFA! Mais non, on va pas sortir maintenant! Les gars, c'est chaud! Allez, Joyka! Allez, Joyka, on l'a! On se fait éliminer par Luton là, Luton. Non mais les gars, bon après la Carabao Cup, c'est le trophée parmi les 4 qu'on joue qui est le moins prestigieux. Mais bon, quand même, ça fait chier quoi. West Ham qui passe, Arsenal qui passe, Crystal Palace qui passe. Ouais, on est déjà éliminé. Bon, après, ça fait de la fatigue en moins pour nos joueurs. On va voir le bon côté des choses. Voilà, là, on se concentre sur Première Ligue et Ligue des Champions. Et puis après, de toute façon, il y a la FA Cup. La FA Cup, par contre, cette compétition-là, je veux la gagner. Donc, ouais, celle-là, il faudra faire attention à pas se faire piéger. On continue, en tout cas, la carrière. Hein. C'est pas une défaite qui va nous arrêter. Tac, 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 tac. Je comprends pas. Ouais, nanana. On continue. Match face à Aston Villa. Oh, l'Angleterre qui nous propose d'entraîner leur équipe. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Dites-moi dans les commentaires si on accepte ou pas. Vous me dites. Après, ouais, ça peut être intéressant. Match de Première Ligue, on a 2 points d'avance sur City, 3 sur Everton et Liverpool. On n'a qu'un nul pour le moment, pas de défaite. Faut continuer, faut continuer. Là, c'est face à Aston Villa, Giuliano à Villa, Diaby, Tillmans, Rome. Ouais, il y a du bon monde. Let's go, Rudiger qui est un peu KO. Hein. Il a joué tout le match en même temps, tu m'étonnes. J'ai pas fait gaffe. On va mettre Badiachile, Kamavinga un peu fatigué, mais bon, on va le laisser pour le moment. Rafinha un peu fatigué aussi. On va mettre Cole Palmer, c'est parti. Et par contre, Rafinha, on va le mettre sur le banc hein, quand même. Hop, voilà, c'est parti les gars. Match au Villa Park. Allez, Grimaldo pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia. Martinez qui protège bien son premier poteau. C'était bien joué sinon Kvaratskhelia. Kamavinga vers Osimhen! Let's go! Le but de Victor Osimhen. Le meilleur buteur de Première Ligue, les gars. Magnifique corner de la part de Kamavinga. Ça lui fait une petite passe D. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Victor Osimhen, 6ème minute de jeu. Déjà 1-0, les gars. En Première Ligue, on ne rigole pas avec l'adversaire. Alors, ok, en Carabao Cup, on s'est pris 2 buts par Luton. Bête et voilà, on a eu du mal à remonter, mais on était quand même remonté. Hein. Ça fait match nul au final. Certes, on est éliminé au penalty, mais bon, ça c'est pas une grosse défaite. Bien joué, Kamavinga. Ça va vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Christopher Nkunku, Christopher Nkunku. Comment il rate la passe là? J'ai la haine, j'ai trop la haine. L'attaque se poursuit, balle au pied. Oh là là. Oh là là. Dommage. La sortie de balle était belle. Mais bon, on a toujours la balle. Bien joué. Non, oh, Kamavinga, dommage. Allez, Cole Palmer. Qu'on n'a pas vu dans cette première mi-temps. Bien joué pour Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, cette fois-ci on va frapper. C'est au fond des filets. Let's go. 38ème minute de jeu, 2-0 face à Aston Villa. Magnifique contre-attaque quand même. Emmené par Cole Palmer. C'est génial. On va rester ensemble jusqu'à la mi-temps.
Kamavinga, magnifique. Allez, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, mais il est vraiment fort, les gars. La balle, elle lui colle au pied, quand même. C'est monstrueux. Et là, c'est dommage que derrière, je fais le mauvais choix de la mettre en l'air à côté des Palmer, parce que je pense qu'il y avait largement mieux à faire. Oh, dommage. Yaya Chile qui la touche du bout du pied, il me semble. Et ça suffit en plus. Oh là, c'est la bagarre. Hein. C'est bien la première ligue. Ok. Mi-temps, on mène 2-0. Parfait. Après, on a un match de Ligue des Champions face à Trabzonspor, si je dis pas de bêtises. On va reposer Kamavinga, on va reposer Nkunku qui a fait un match excellent. On va faire rentrer Moïskine ici. Et puis on va le mettre à droite et coller Palmer, on va le mettre ici, voilà. Let's go. Non. Il n'y a pas penalty. Bah oui, il y a coup franc, magnifique. Ok, allez gardien. Quoi? Par contre, Wesley Fofana, il a pris un rouge. Aïe, 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 prochain match de championnat, on n'aura pas notre capitaine avec nous. Et là, dans ce match-là même, on l'a plus. Waouh. Décision un peu dure quand même, là, de l'arbitre. Carton rouge comme ça. Un peu dur, 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 mais bon. Allez, on l'a. Non, on l'a pas, mais Cobble, il l'a magnifiquement bien. Et derrière, c'est Moïskine qui sera là. Non, ça donne rien. Oh, Diogo Jota, c'est magnifique, mais c'est au-dessus. Heureusement pour nous. Toujours cette petite invincibilité pour le moment qui reste en notre faveur. Manu Koné pour le magnifique. Cole Palmer. Cole Palmer. Bien joué. Mal donné. Comparé à l'appel là, c'est mal donné. Bien joué, Cole Palmer. Voilà, et là, elle est bien donnée. Victor Osimhen face à Emiliano Martinez. Ça mérite d'aller au fond des filets, ça. Purée. Allez, Kvaratskhelia. Le corner. En direction de Victor. Oh, comme sur son premier but, sauf que là, c'est un peu au-dessus. Dommage. Il avait bien pris les devants. C'était bien envolé, mais bon. C'est au-dessus. Manu Koné, bien joué pour la tête. Cole Palmer. Moïskine, bien joué. Allez, on va même donner la balle à Cobble. Petite feinte de frappe. On va la mettre à Badiachile. Ok. Ruiz. On ne l'aura même pas. Oh, c'est bien. C'est très très bien. Hors jeu. Les gars, on a de la chance. Hein. On a de la chance à mort. Parce que là, c'était clairement une bêtise de ma part. On aurait pu perdre l'invincibilité. Au final, on la garde quand même. Bien joué, par contre. Ça, c'est magnifique aussi. Même le déplacement. Et Moïskine, il l'a très bien donné. Mais non! Allez, il reste 3 minutes. Oh, les gamins. Ils l'ont bien donné. Buendia. Cobble. Vraiment, Cobble, les gars. Mais vraiment. Mais vraiment, quel gardien. Quel gardien s'assoit à sa table et lui dit « Je suis plus fort que toi ». J'ai rarement vu ça. Il est vraiment trop fort. Magnifique. City qui met 3-0 à Lytton, qui nous ont éliminés au penalty. Ouais. Bref. Allez, match face à Trabzonspor en Turquie. Ça va être le dernier de cette vidéo. On jouera City dans le prochain épisode. Bozok, Nicolas Pepe là-bas quand même. Hein. Et Mendy, ok. Ouais, après on joue quand même Manchester City. Faut quand même que nos joueurs ils se soient reposés. Alors, Kvaratskhelia, je pense qu'il va se reposer direct. Osimhen aussi. Rafinha. J'hésite. Ouais, non, on va laisser Rafinha et Nkunku. Kaseido, il va venir se reposer. Kamavinga, il va débuter. Grimaldo, il va débuter. Wiss James, il va venir se reposer. Wesley, il va se reposer. Rudiger, il viendra se reposer après. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 joueurs qui doivent sortir. Parfait. Let's go! Pour ce match de Ligue des Champions, le deuxième dans cette carrière avec Chelsea en Turquie face à Trabzonspor. Let's go.
Il faut une victoire. Ok, Mudryk, contre-attaque. Bien joué. Il a éliminé, c'est le principal. Oh, dommage. Et c'est au fond, les filets tremblent. Voilà comment bien s'installer dans une rencontre. Déjà le sombrero sur Mudryk, tout. Purée. Wesh! Mais lui, il en veut un Mudryk, lui, c'est pas possible. Il lui met un sombrero, il lui met un tac comme ça. Oh! Monsieur! Mudryk. Oh là là, j'allais enchaîner avec un pétard de ouf. Rafinha? C'est à côté, purée. Joue là. Joue là, vas-y. Joue là. Odiguer, tu l'as facile. Doucouré, serein. Voilà. Voilà. C'est magnifique, Rafinha. Par contre, Mudryk, les gars, à mon avis, il va sortir. Hein. Désolé pour ceux qui le kiffent, mais... Hein. Bien joué. Colwill, bien joué. Bien joué, Moiskin. Purée, dommage. Ok. Mi-temps, on est mené 1-0 en Ligue des Champions par Trabzonspor. Madouké va rentrer pour le moment et c'est tout. Je préfère Madouké que Mudryk. Je sais pas si vous aussi. Mais bon, allez, let's go pour cette deuxième mi-temps. Ok, bien joué. Nkunku. Élimine Madouké. Bien joué, super. En retrait avec Nkunku. La frappe de loin, c'est contré corner. Là, on marque. Moi, je vous le dis tout de suite. Christopher Nkunku. Pour la tête de Moiskin. Mais non. Purée. La barre, j'ai la rage. Bien joué, Rafinha. À qui? Bien joué, il est pas hors jeu. Bien joué. Let's go. Rafinha qui égalise ici en Turquie. Match compliqué, les mecs. Hein. Match très très compliqué, faut pas croire comme ça. Un partout, 74e minute de jeu. Le dernier quart d'heure, on le fait ensemble, bien évidemment. Sur Maestro Land, n'hésitez pas à liker, les gars, et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner pour les nouveaux ou pour ceux qui ne sont pas abonnés. Allez. En plus, les gars, on est 8000 sur la chaîne, hein, bientôt 10 000. C'est fou. Bien joué. Nkunku. Oh, c'est nul. C'est super nul ce qu'on a fait. Bien joué. 6 minutes, les mecs. Est-ce qu'on aura la victoire? Encouragez notre équipe, là. Encouragez-les. Bien joué, Doucouré. Eh, Doucouré, les gars, par contre, hein, vraiment, ce joueur-là, va falloir en parler. Mais de ouf. Parce qu'il est vraiment trop fort. C'est trop. Rafinha au deuxième, mais il n'y a personne. C'est mal joué. C'est super mal joué, c'est fini. Un partout. On est toujours invaincu en 90 minutes. Parce que, hein, avec la défaite face à Luton au penalty, je ne sais pas si ça compte comme une défaite ou un match nul, mais voilà. Ouais, on est toujours invaincu, ça c'est le principal. Et puis en Ligue des Champions, on est pas mal. Hein. Donc, dans le prochain épisode, les gars, gros choc face à Manchester City, Liverpool, Sporting et Wolverhampton. Pouah, ça va être chaud patate. Ouais. Allez, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! J'ai jeté mon bigot, je veux pas qu'on marcelle. Je veux pas être seul, même si j'excelle. Donc je ne pars pas là-bas. Ah non, tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Ah non.